Bon matin. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de l'écureuil et l'étrange visiteur par Sébastien Manchenmoser. L'écureuil et l'étrange visiteur. Un beau matin, l'ours s'est réveillé par un être bizarre qui s'est carrément posé sur sa tête. Cet étrange visiteur est tout bleu et l'ours le trouve particulièrement inquiétant. Commence à se sauver parce qu'il a peur. Puis là, il va aller se cacher derrière l'arbre. Derrière un rocher. Et dans l'eau. Est-ce que tu penses qu'il a raison d'avoir peur de ça? C'est ce qu'on va voir. Ce même matin, l'écureuil est réveillé en sursaut par son copain, le gros ours. Oups, pas son page. C'est un être tout bleu et il me poursuit partout où je vais. Je n'ai encore jamais vu un animal comme celui-là. Il n'est pas d'ici, c'est sûr. Tout le monde sait bien que les ours, c'est dangereux et qu'il vaut mieux ne pas les poursuivre. C'est certain, cet inconnu ne vient pas d'ici et il est tout bleu. Personne ici n'est tout bleu, pense l'écureuil. Et s'il venait d'une autre planète? Peut-être qu'il y en a d'autres avec lui. Et s'il voulait capturer l'ours? Ce qu'ils veulent peut-être, c'est l'emporter dans leur vaisseau spatial vers leur planète où tout est bleu. Les villes, les maisons. Ils pourraient faire des expériences avec lui ou tout simplement l'enfermer. L'ours pourrait se retrouver embarqué dans des embrouilles intergalactiques ou bien qui sait. Il pourrait même se servir de lui pour divertir le peuple. Pour bien faire, il faudrait tromper les extraterrestres. Par exemple, l'ours pourrait tout simplement se déguiser en arbre et on transformerait un arbre en ours. L'écureuil a déjà quelques expériences en la matière. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre, l'extraterrestre embarque le faux ours et retourne tout content vers la planète bleue. Ah, c'est à s'y méprendre. Ils vont voir si leur piège fonctionne. Il est là. Ils ont tellement peur. Je pense que l'oiseau y a compris que ça, c'est pas un vrai ours. Le hérisson se dit alors qu'on devrait peut-être chercher le vaisseau spatial et le cacher. Ainsi, les extraterrestres ne pourraient plus
enlever l'ours et arrêterait de le pourchasser. Pensez-vous qu'il y a un vaisseau spatial? Bon. Trouver le vaisseau spatial, ce n'est pas le plus difficile qu'ils aient jamais fait. Ils cherchaient quelque chose de bleu. Trouver le matériel pour le camoufler non plus. Mais l'extraterrestre a toujours un coup d'avance sur eux. Il vaut peut-être mieux prévenir tous les animaux dans leur terrier. Mais il va prévenir tous les animaux que, attention, il y a un extraterrestre bleu dangereux et qu'il faut être prudent. Parce qu'après tout, les extraterrestres ne se contenteront peut-être pas que de l'ours. Peut-être que le bouc, qui est toujours très sage, pourrait leur donner un bon conseil. Et puis peut-être même qu'ils pourraient se cacher tous là-haut. Le bouc vit en haut d'une colline. Mais il ne reste pas beaucoup de temps à l'écureuil pour tout expliquer, car leur poursuivant vient tout juste de les retrouver, et il n'est pas seul. Ils sont maintenant deux. Oh là là. Ben, tout le monde essaie de se cacher parce qu'ils ont peur. Va se passer. Ta-ta-tam. Les petits trucs coincés dans la tignasse de l'ours, ça a bien l'air d'être des œufs, non? Il y avait des œufs dans la tête de l'ours. Peut-être qu'après tout, les extraterrestres n'avaient pas du tout l'intention de l'enlever. Peut-être avaient-ils laissé leurs œufs là sans faire attention parce qu'ils cherchaient tout simplement un endroit sûr pour les couver. Et où aurait-il été plus en sécurité que sur la tête d'un ours? Et finalement, les animaux n'ont plus peur. Est-ce que tu connais le nom de ces deux oiseaux, toi? Ce sont des perruches. La raison pour laquelle les animaux avaient peur, c'est parce que des perruches, ça vit pas dans la forêt habituellement, hein, comme l'ours, le hérisson, l'écureuil, le sanglier, le renard. Alors, les perruches, ça vit pas au même endroit. Alors, eux, ils en avaient jamais vu de leur vie. C'est pour ça qu'ils avaient peur. Elle se demande bien comment ça se fait que sa tête. Sa tante a été ensevelie en dessous des branches. Mais tu te rappelles, plus tôt dans l'histoire, l'ours, l'écureuil et le hérisson avaient voulu cacher le vaisseau spatial. En réalité, c'était la tante de la madame. C'est très drôle. Alors voilà, c'est la fin de mon histoire.
Je te souhaite une belle journée, puis je vais t'en raconter une autre demain. Bye!